donc catégorie 3, c'est magnifique en tout cas ici par rapport au Nord. Moi j'aurais dit catégorie 3 pour la Lozère. Éventuellement. C'est vrai qu'ici ça rigole pas. Les crocodiles, ça, je sais pas. Ouais, ils vont faire des rues et tout, ça commence à s'agrandir. Oh là 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 là, c'est magnifique. Oh là, y'a quelqu'un là-dedans. T'as vu Kira derrière? Non. Oh oui, dis donc. Oh, c'est chouette. C'est la ferme des Ralton, là. Ah ouais, là, à Brel, là, qu'on a vu. À Brel Ralton. Oui. Ouais. Ah, c'est sa ferme. Joe Ralton, y'a tout ça, tu vois. D'accord, ok. Bah dis donc, c'est joli. Oh là là, ils savent faire dans le et sud. Tu vois l'église, il y a l'église qui est en haut. Ah, c'est aussi. L'église en haut, d'accord. On va aller voir. D'accord. Après, on va d'accord. Au prêtre. Ouais, pas de soucis. Ah, il y a marqué que c'est fermé. Ah, il y a marqué que c'est fermé. Il y a un panneau là-haut, c'est marqué fermé. Ah ouais, merde. Bon, bah on verra plus tard. C'est bien fait. Hein. Comment nous, dans le nord, salut, man. Genre, ils viennent hey là, on est foutus. Comment ils vont? Bonjour. Bonjour. Ça va, man. Bonjour, bonjour, monsieur l'homme. Hop, là, attendez, c'est de l'équipement de démolition, vous inquiétez pas. Ah, d'accord, on m'avait fait. Comment ça va? D'accord. Ça va bien, merci, et vous? Ouais, ça va, ça va. Eh ben, ça va, ça va. Qu'est-ce que vous faites dans le sud? Bah, nous, on vient visiter un petit peu. On vient balader. Ah, ben, c'est bien, ça. Et alors, vous venez d'où? Racontez-moi. Je suis monté dans le nord, mais je vous ai pas vu. Ah, mais je vous ai pas vu. Un village indépendant, juste derrière la capitale, où il y a une stèle, un faisceau vert qui dépasse dans le ciel. Ah, et vous avez mis des murs tout le tour. Oui, voilà. C'est ça, on habite là-bas, c'est notre village. Eh ben, d'accord, c'est chez vous. Eh ben voilà, ben, ravi de vous rencontrer. Hein. Bah, moi, je suis l'aubergiste du village. Ah ben, enchanté. Je mets un peu la main à la pâte là pour terminer la muraille, mais oui, mon métier, c'est restaurateur. On est rentré, j'ai pas vu que le panneau était fermé, mais ouais, ok, c'est bon. On va boire un petit coup après, du coup. Ah ben, c'est pas de problème, hein, pas de problème. Je vous ferai goûter les spécialités du sud. Ah oh bah avec plaisir. Avec plaisir. Je devais voir pour les fruits et légumes. Hein. Oui, oui, bah, entre temps, j'ai pas eu de vos nouvelles. Je vous ai envoyé un dimorphodon voyageur. Vous l'avez pas eu? Non, la pasta déconne en ce moment, man. Ah, ben voilà. Et ben voilà. Ouais. Bah, je vous ai envoyé un dimorphodon. J'avais besoin d'engrais. Ah, de l'engrais. Ouais. Mais j'ai fait ma petite plantation. La sénatrice, elle m'a autorisé à mettre quelques petits plants. Ouais. Mais c'est pas bien ça, man. Tu me piques. Mais il y en a pas assez. Vous inquiétez pas, j'en aurais besoin de plus. Et ouais, ici on n'a pas le droit de cultiver comme on veut. Hein. C'est compliqué. La petite plantation est derrière. Ne t'inquiétez pas, nous aussi. Derrière mon restaurant, oui, c'est ça. Vous avez vu, c'est rikiki, hein. Bah en tout cas, la ville est très mignonne. Hein. Eh ben écoutez, on y travaille. Hein. Bah c'est vraiment très joli. Vous avez fait. Vous avez bien travaillé. Eh ben merci. Hein. Eh ben merci. Oh là, qu'est-ce que c'est? On passera de voir après, Eh ben écoutez, pas de problème, je continue un peu à faire ma muraille, mais dès que vous avez besoin de moi, vous venez me chercher et je vous ouvre le restaurant, ça marche? Voilà. Pas de soucis, merci beaucoup. Ouais, t'as vu le curé, man. Oh là, il y a un truc qui vole. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, mais c'est un oh la vache. Wow. Oh, c'est la première fois que j'en vois un. Eh bébé, qu'est-ce que c'est? Fais gaffe à toi. Oh là, on dirait qu'il va... Hé, hey, Colio, fais gaffe aux toits de l'auberge, hein. Oh là 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 là. Moi, avec la chaleur, j'ai un petit peu la tête qui tourne, je vois tout qui s'envole, je vois tout qui... C'est bizarre, là. Ouais, mais... Oui, j'ai l'impression qu'avec son zeppelin, il me perturbe, là. Ah ben, moi, ouais, peut-être ça, c'est je crois. Pareil. Oh la vache. Popopo, ah, moi aussi j'ai la tête qui tourne. Ouais, est-ce que t'as vu le curé au fait, man? Hé, la bête à bon Dieu. Non, je sais pas où il est. Il est pas là, je l'ai pas vu aujourd'hui. Je crois qu'il dort encore. Il passe son temps à dormir, celui-là. Ah oui. Mais il y a les autres bêtes à bon Dieu qui sont pas loin. Hein. J'en ai vu un ou deux qui se baladaient avant, donc. Ouais, on va voir ça, on va aller à l'église alors. Man. On va aller visiter un peu. Allez-y, hein, c'est juste là au-dessus. Hein. Profitez. Hein. D'accord, bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, bon courage les gens, hein, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh putain, la chaleur, elle me fait voir des trucs. Ouais, moi aussi, ouais, il y a des mirages. Ah, je savais qu'il faisait un peu plus chaud dans le sud, mais alors là... Ah voilà, ça. Par moments ça va, et d'autres moments ça va pas, là, c'est bizarre. Ah oui, bah là, bouh. «
Ah, mais enfin, dis donc, elle est impressionnante, cette église. Ouais, hein. Oh la vache! Ouais, doucement, ah, man! Toutourou, toutourou! Ah, attends, on va pas dans le mur, on va se faire tuer! Ah, mais j'ai failli rentrer dans le mur, t'es... Dis donc, mais ça... Ils sont dangereux! Oh la vache! Je vais prendre un coup dans la gueule! Y'a personne! Y'a quelqu'un? Oh! C'est marqué quoi là? Chapelle sous l'autorité de l'abbé Tartampion et des deux Finis. Ok. Oh, mais ouais, je personne. Crois qu'il y a personne. Hein. Alors, oh là là, les belles bêtes! Oh! La mienne, elle a 670 ans hein, quand même. Ah oui, quand même! Oh, dis donc, c'est chouette, hein, chez vous! Toi, là, mais j'en ai pas vu d'autres. Ah bah oui, il y est! Oh! J'en cherche, j'arrive pas à chercher. Magnifique ici. Oh, il est mignon! Elle est où, ma mère? Elle est où, votre mère? Ah, bah, ouais, bon, je sais pas, je l'ai pas vu. Je crois qu'elle, dort un peu cette nuit. Elle fait de dos. Elle est très fatiguée, eh. Si vous avez des grappins, nous on peut vous emmener avec nous, hein. Vous voulez qu'on peut même vous ramener chez vous, on fait un petit détour. Aussi, tu vois, non, et on le prend avec nous. Non, il peut pas, il rentre pas, il passe à travers. Tu crois, fais voir un peu, tu vois que je peux. Tu permets, j'essaie. Ah bah non, ça marche pas. Mais non, tu vas charger là quand même, nul, man. Mais si, j'ai une idée, j'ai une idée. Mais j'ai essayé déjà. Non, il le prend pas, je te dis. Mais si, tu montes en haut là, regarde au niveau du commissariat, il se met là. Non, il peut pas, il passe à travers. J'ai essayé déjà de passer les animaux dedans, il passe à travers le bateau. Ah bon ? Oh, c'est pas. C'est bon, d'accord, bah tant pis alors, hein. Moi je le connais. Il y a des éleveurs de dinos dans le coin. Qu'est-ce qui se passe ? On est là. Bonjour. C'est le roi, man. Je cherche un éleveur de dinosaures. C'est le roi. Bonjour. Vous êtes dans le sud aussi? Bah ouais, moi. Bah oui, on visite un peu. Voilà le roi qui vient dans le sud, c'est incroyable. Faudrait vous faire un visa personnel pour s'occuper de lui. Oui, attendez, parce que là, il y a du monde qui vient d'arriver. Il faut faire des visas pour qui, là? Moi, c'est bon, j'ai mon visa. Comme c'est un... Juste le roi, ah tiens, c'est bizarre, c'est le pouilleux qui va s'occuper de vous. Celui qui a les mauvais habits, vous avez vu, c'est moi qui vais m'occuper de vous. C'est marrant, ça. Tiens, comme quoi, dans le sud, c'est même ceux qui ont des pauvres habits qui s'occupent du roi, allez, venez, suivez-moi, je vais m'occuper de vous, vous allez voir. Ouais, hey, y'a pas de soucis. Et tu veux y aller avec toi, je m'occupe de lui, moi aussi. Oui, et moi, les visas sont devraient être payants, je crois. Vous êtes venu voir un coup en bateau. Pour certaines personnes, oui, bah, je vais avec le roi. Je suis désolé de vous couper la parole, ma mère, mais bon, on a besoin d'aide ici. Est-ce qu'il y a un enclos qui est disponible pour accueillir une grosse bestiole? Bonjour, ma mère. Il y a monsieur Barrette là-bas. Viens. Il faut que je réquisitionne un enclos, c'est important. Ouais, t'as le T-Rex. Yeah, on a beaucoup de travail. J'ai besoin d'aide également pour l'escorter. Il n'est pas encore tout à fait dompté. Donc tous les villageois armés, suivez-moi, s'il vous plaît. C'est important. Ouais, vite, vite. Hein je suis pas armé, je suis désolé. Restez là. Ça rigole pas, ça... ici. Hein. Je sais pas ce qu'il y a. À mon avis, il s'est encore mal levé. J'espère qu'Abrel va pas se faire vider son enclos par la bête si elle est pas domptée. Hein. Hey, yo, vous êtes armé alors? Non, on est désolé. Okay. On est pas désolé. Ah bah, abritez-vous à l'instant au cas où la bestiole montre des dents. D'accord, elle est pas bah, encore je vous tout à fait domptée, elle risque d'être énervée. Mais man, tu m'avais posé une question hier, j'ai trouvé ta. Et ça, c'est votre taverne? Ah, c'est. Oui, allez-y, entrez. Dès que j'ai escorté cette bestiole, j'arrive, mon voilà, c'est chouette, 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 merci. C'est bien, c'est vraiment ça manque encore un peu de décoration, mais. Ah non, mais c'est vraiment. Vous avez besoin d'un guerrier? Excusez-moi, essayez de faire un merci beaucoup. Suivez-moi, mon man. Ouais, le singe, tant qu'il reste sur l'épaule, ça va aller. Ouais, par contre, faites attention, hein, quand vous passez, vous êtes un peu haut, vous risquez de taper la tête. Ah ouais, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Dans le Nord, le commissariat, ils l'ont fait pour les nains. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce que vous allez souvent au commissariat, vous? Disons que je travaille souvent pour eux. Et puis, d'accord. En chasseur, j'ai beaucoup de demandes de permis, parce que j'ai des dinos assez dangereux chez moi. Ah oui, d'accord, ok. Mais j'étais en train de me demander, c'est peut-être un malfrat, celui-là, il va souvent au commissariat. Non, du tout, je travaille avec vous. N'inquiétez pas. Ah bon, d'accord, bah alors ça va. Mais prenez place, hein, restez pas debout. Ouais, bien sûr. Ah bah c'est gentil. Ah d'ailleurs, on a pas d'argent. Est-ce que je peux te troquer 2-3 trucs contre la vodka, ça te va? Ah bah oui, bien sûr, mon ami. Ah oui, mais attends, Gizzy, t'as pas. Elle risque pas de se faire croquer ta copine là? Au cas où, si ça tourne mal? Ah ouais, merde. Je peux quand même la rentrer, ça me ferait chier qu'elle se fasse bouffer quoi. Ouais, bah attendez, on va la mettre à l'extérieur alors. On va la mettre parce derrière. Il faut la protéger si ça tourne mal. Allez bien, Laurie. Si se trouve, les gars, en vidéo, vous allez voir un truc qui va partir. La moitié du village dévasté. Pardon,
Hop merci. Là. Ouais, tu me dis que t'as pas beaucoup de plans, mais là, tu te fous de ma gueule, regarde tout ce qu'il y a dedans, moi. Bah ouais, mais on a le droit qu'à 16 petits carrés, c'est rien du tout. Surtout que moi, ah, j'ai besoin de plantes alimentaires, regardez. Il faut que je fasse du cactus, il faut que je fasse un peu des carottes, des légumes, bon ça, oh, j'en fais beaucoup. Ah bah voilà, c'est un petit peu de tout, hein, c'est pas une grosse plantation. Moi, je vais sans doute avoir besoin de vous quand même, sur les légumes, sur les baies, notamment la patate. Attention! Écartez-vous, convoi exceptionnel. Faites place, faites place. Ordre du shérif. Ordre du shérif. Bonjour monsieur, bonjour. Viens d'ouvrir Tony. Monsieur Ralston, ordre du shérif. Putain de merde. Planquez-vous, planquez-vous, on sait jamais. Une partie de votre angle est réquisitionnée pour le shérif, monsieur. Ah, mais bien sûr, il y a pas de soucis. Putain, attention, Dizzy, attention. Écartez-vous, convoi exceptionnel. Je peux dire ça va pas fumer des failles. Rentrez chez vous, attention. Qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai peur. Putain. Ah, quand même. Oh, putain, il vient pas de la taverne. Eh, par là. Oh, la vache. C'est le petit coucou. C'est pas réussi. Il faut agiter une petite flamme. Ouais, j'étais de petite flamme doucement. Viens voir, Tony. Attention, elle est pas de dossier. Oh là là. Ah, Barrel, occupe-toi-en. Barrel, c'est son occupé. Monsieur Barrel, c'est vrai. Excusez-moi. Laissez-moi le gérer, vous inquiétez pas. Vas-y, Barrel. Attends, je lui fais venir un peu là. Vas-y, par là-bas, hé. Oh là là, propre. Oh là là, ça marche carrément par-dessus et tout. Oh la vache. C'est gros que l'enclos va pas lui faire grand-chose. Mon vieux. Nom d'une petite pipe en bois, on a réussi. Ouais, bah. Oh là 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 là, la bestiole, mais vous avez pas peur qu'elle devienne incontrôlable d'un seul coup et qu'elle mange tout le monde? J'en sais rien, mais si on avait voté ça, à mon avis, elle serait pas dans le village. Ah bah je pense. Mais qu'est-ce qui fait la sénatrice là? Oh, c'est normal, c'est quoi ce bordel là? Aujourd'hui, il y a des avions qui volent dans la ville. Bonjour messieurs, dames, oui. Ah, vous allez bien, oui. Monsieur Tchern, qu'est-ce que c'est ce bordel aujourd'hui, là? Ah, bah ce bordel, je suis parti en expédition avec monsieur le shérif. Je voulais lui montrer là où j'habitais. Super fort, man. C'est vrai? Je parle fort, tu trouves? Ouais, j'ai mal au crâne. Ah ouais? Vous avez une voix qui porte. Ah bah oui, bah excusez-moi, j'ai une excitation avec cette grosse bête. Moi je suis toujours excité, hein, vous le savez bien. Je suis toujours un petit peu chaude, hein. On sait jamais. Mais non, vous inquiétez pas, je suis un homme civilisé quand même. Vous me prenez pour qui, hein? Ouais, enfin vous avez fait peur au singe quand même. Oh bah j'ai fait peur au singe, petite bête. Pour vos petits chats. Bah oui, non mais bon. Hein. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Comment ça se fait? C'est pas interdit en ville ça? Eh ben oui, mais il a été réquisitionné, il y a des gens qui l'ont apprivoisé, voyez-vous? Non! Il l'a apprivoisé, et moi je l'ai vu. Donc je l'ai vu à monsieur le shérif. Eh ben, monsieur Joe, vous êtes sénateur, vous. C'est quoi ce bordel là? Comment ça se fait qu'il y a des bêtes comme ça dans les villages là? Oh. Il s'avère que quelqu'un aurait apprivoisé cette bête de manière illégale. Eh ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait si on croque les chopes là? Ne vous inquiétez pas, on l'a confié à Barrel, qui est mon grand frère, mon petit frère, pardon, enfin petit grand frère, voyez. Et c'est un dompteur de sa profession, il va s'en occuper, il va faire en sorte qu'il reste sage. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait confiance en lui. Je crois que monsieur le shérif va se débarrasser de la créature, je crois. Moi, je vais vous prendre une petite vodka, ma foi, m'a bien plu. On va goûter votre spécialité. Ah oui, on va goûter votre spécialité, moi je connais pas. Alors, j'ai plusieurs spécialités. J'ai des spécialités avec alcool et sans alcool. J'ai le Fer Nicolas. Alors ça, c'est une boisson d'ici. Hein. Vous trouvez ça ailleurs. Alors, comment ça se passe? Ce sont des baies de coca. Hein. On les fait fermenter et alors on a une boisson gazeuse à l'arrivée. Alors quand c'est bien frais, c'est fantastique. Hein. Ah bah ça, et bien, alors, après, sinon, on a un petit rosé de pays. Hein. Vous doutez bien ici, pour les viandes pour tout ce qui est viande grillée, c'est le top. Après, on a un petit vin du sud, un petit vin rouge. Bon, bah, alors ça, c'est fabuleux. Ah, oui, et sinon, qu'est-ce que je peux vous proposer encore? On a tellement de choses. Et puis alors sinon, après, bien sûr, l'alcool de patate, de la vodka. Et alors ça, l'alcool de patate, c'est fantastique. Qu'est-ce que vous faites? Je vais prendre une bonne petite boisson rafraîchissante. Là, ce que vous m'avez dit en premier, ça m'ira très bien. Allez, Fer Nicolas, très bien. Le monsieur en bleu. Une bonne vodka, s'il vous plaît. Une vodka. Une autre vodka. Monsieur Joe, ce sera forcément de la vodka. Ah, bien forte, hein. Bien forte. C'est marqué. Et puis alors, monsieur le roi, qu'est-ce qu'il va vouloir?
vous permettez, je vais passer aux toilettes. Attendez, ouais, vous ici, je parle avec mon petit. Ok, mais je fais la première tournée alors. Ils sont chaleureux dans le cine. Ah, ça, tu veux se parle beaucoup là, vous là. Qu'est-ce qu'il a? Il est aux toilettes, je crois. Il est aux toilettes, oui, malheureusement. Les murs sont fins ici. Ah bah, il faut mettre une double épaisseur. Oui, je. Ça va, monsieur Alton? Merci bien, c'est vrai que ça fait du cul ou quoi? Ça fait du bien. Eh oui, ça se trouve, il nous a fait un deuxième T-Rex, on le savait pas. Oh, c'est chédateur. Excusez-moi, mais ça rigole pas. Ça fait un moment que j'arrive pas à sortir celui-là. Oh, vous êtes ça, vous savez, c'est le métier de sénateur. C'est le métier de sénateur, ils passent leur journée à manger, alors forcément. Oh Joe, faut bien réussir à discuter. Oui, à Barrel. Et voilà, première tournée. Je suis là. Et j'ai vendu une tête bête, hein. Une tête de bête? Comment ça? Oui, et pour la demoiselle, c'est le fer Nicolas. Bougez pas, je vous le mets là. D'accord, merci. J'ai vendu un kilo. Oh, bien, bien. Merci beaucoup. 2500 Bien, bien, bien. Monsieur Joe. Allez, à la tienne, Lizzie. Votre voiture. Excusez-moi, je monte sur la table. Oui, 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 bien sûr, je vous écoute. Je suis désolé, je suis venu un petit peu main vide, sans argent, tout ça. Oh, mais c'est pas grave, monsieur le roi, c'est un plaisir. Allez, hop là, ah, une petite gorgée. Putain, il y a Dizzy, je crois qu'il s'est endormi. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi j'ai pas là. Oh là, mais oui, qu'est-ce qu'il fait, petit là? Ah, mais je crois que c'est la boisson là, c'était trop fort. Oh la vache, la boisson, elle a monté. Ah, l'autre aussi, il est monté. Ah, mais ça, c'est avec la chaleur, ça. C'est. Ça cogne, hein. Vous voulez la même chose, monsieur le roi, vous êtes sûr? Oh la vache! Et moi j'ai fait pareil! Faites attention, monsieur le roi! Je vais vous donner quelque chose de. Ouais, je vais vous donner un truc plus sain. Ah, bon, ouais, qu'est-ce que je te mets? Eh ben, comme moi, Gizzy, tu vas bien? Une petite vodka, allez! Ah, oui, une petite vodka! Oh, je t'ai vu! Qu'est-ce que ça fait? Ça, avec une petite. Tu n'as pas encore une roulée? Ah, bah, je te comprends, la vache! Tu m'as fait peur! Je vais voir mon chien, il a l'arrêt. Alors, monsieur le roi, comment vous avez trouvé ça? Ah, c'est super bon, votre machin! Ah, bah, très bien, mais alors! Quand est-ce que vous m'en commandez pour le Nord? Ah bah, quand j'aurai l'argent, excusez-moi. D'accord. Je reviendrai. Ah bah, bien sûr. Et bien, au pire, vous m'envoyez un dimorphodon voyageur, vous me dites combien il vous en faut et je vous livre, hein, y a pas de problème. Très bien, c'est pas. Ah, parfait ça. Ah bah, je m'en sens pas bien. Oui, oui. Oh, je me sens pas bien. Calme-toi, va t'asseoir. Oh, le sénateur, il est pas bien. Il est parti, ça. Oh là là, ça commence. Oh, il va vous. Ah, mais il supporte pas, lui. Il a perdu. Et bien, monsieur Alton, qui s'est passé sur vos habitations, je suis désolé, je vais essuyer tout ça. Je suis pas échappé. Je vous jure. Bah alors, c'est pour les hommes. Pour moi? C'est toi, Joe. Ouais, tiens, Tony aussi. Oh, t'es ici, là, oui. Moi, je veux bien, oui. Incroyable. Moi, mon ami, oui. Tiens, Joe. Oh oui, bien, oh oui. C'était le mien. Mais monsieur non, monsieur le sénateur. J'en ai un autre. Je suis là, je suis disponible. C'est légal, ça? Mais non, mais ils me prennent tout. Regarde ça, ils me prennent tout. Vous faites tourner quoi ici, mon mec? Ah, merci beaucoup, merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si c'est légal, monsieur le shérif. J'en ai pas eu. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas eu le temps de voir. Tiens. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça suffit maintenant. Même si je fais marron, arrêtez de distribuer votre camelote ici, s'il vous plaît. Tiens, prends-en, si tu veux. Non, je vais prendre. Oh oui, qu'est-ce qu'elle est bonne. C'est pas mal, ça. Tu devrais, et Chuck, tu devrais essayer. Franchement, ça détend, Non. Confisqué. Crois-moi. Oh. Allez, cessez de distribuer vos conneries maintenant. D'accord. Allez voir ailleurs si j'y suis, s'il vous plaît, je fais marron. Il y a un homme qui est tout nu. Et vous avez pas faim, les voyageurs, là? Si, j'ai un petit creux, moi. Bah écoutez, j'aimerais bien goûter. Est-ce que vous avez un petit plat local? Eh bien, attendez, je vous cherchais ça. Oh, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Regarde-moi ça, c'est une spécialité locale. Servez-vous, mes gens. Et du coup, vous mangez pas de poisson? Mais attendez, qu'est-ce que vous mangez? Dites-moi. Vous mangez la viande ou pas? Habituel, c'est les carottes. Tu es là, devant toi. La carotte. Tu viens ou pas? On va manger un bout avec nos amis. Bah, bougez pas. Pas je. Assieds-toi. Bougez pas, je vous cherche ça. Ah, bah ça me fait plaisir. Mais ici, une petite spécialité régionale aussi, ça. Tony qui est là, le chasseur, et moi l'éleveuse. Très bien, je vois. Mais dites-moi, j'ai pas tout compris. Vous me dites que vous n'êtes pas allé dans la ville principale pour éviter de payer le prix fort par rapport aux portes, tout ça, c'est bien ça. Mais en étant dans un village à côté, vous êtes quand même soumis aux lois du Royaume du Nord, non? Ouais, mais étant
comment dire, une tribu à part, mes portes, c'est moi-même qui les ferme et qui les verrouille comme je le sens, alors que là, le royaume fait payer 1000 pièces le verrou. En gros, c'est 1000 pièces le verrou. Soumis et seulement sur la capitale ouais, et tout à fait. D'autres qui sont... Ah oui, c'est compliqué. Dans le royaume. Et oui, tu vois, cher aubergiste, quand il y en a qui se plaignent du sud que tout est taxé et tout machin, hein, quand tu vois le prix là-haut, oulala. Non mais attendez, remettons la charrue devant les bœufs, hein. Oh, monsieur Alton, regardez. Aussi la charrue, Vous voyez là où vous êtes assis, oh. Oui, eh bien, je suis sur une chaise. Eh bien, vous êtes assis sur 32 pièces d'or par trimestre. Eh bien alors, on fait comment? Eh oui. On fait comment? Par trimestre. Est-ce que vous rendez compte que c'est pas que c'est rien du tout? Eh bien, attendez, regardez. Regardez bien. Voilà, je fais comme ça. Voilà. Et voilà. Oui. Je suis allongé sur 60 pièces d'or. Normal. Et personne ne dit rien. Oui. Ça vous dérange, vous, peut-être? Vous croyez que tous les travaux qu'on fait dans la ville, ça coûte rien du tout? Il faut je sais bien. Je suis le premier à participer. Je devrais être exonéré. Faut bien qu'on puisse payer les artisans. Tu sais, man, nous, dans le Nord, notre métier pour l'exploiter, c'est 10 000 pièces d'or, man. Oui. Oh là, monsieur Wissi. Bonjour, monsieur docteur. Comment allez-vous? Prenez ma place, restez assis, monsieur le sénateur. Je vous en prie, je resterai debout. Restez assis. Vous avez un beau chapeau, t'es... Vous aimez bien? Ah oui, j'aime bien. Je l'ai fait moi-même. Avec mes propres soins. Il est beau, hein? C'est quelle peau? C'est de la peau de quoi, ça? Mammouth? Ah, c'est de la peau de dodo. Ah bon, d'accord, ok, je vois, oui. En fait, faut retourner la peau. Oui. J'ai essayé plusieurs techniques, hein. Il y en a une, c'était pas très glorifiant. La matière était bizarre, un petit peu trop visqueux. J'aime bien ce qui est visqueux, mais bon, sur la tête, c'est pas très sympathique. Mais je vois. C'est pas confortable, surtout. En tout cas, je suis content de voir que votre voix passe mieux. Avant, je vous entendais pas bien. Monsieur le roi, je vous entends beaucoup mieux. Qui êtes-vous, vous? Je ne vous connais pas, madame. Monsieur le roi, je suis du nord, je venais visiter un peu. Venez, on va faire un tour près des murailles. Ah, oui. Très bien. Mais enchanté, docteur Chen. Enchanté, Kira. Kira, enchanté, madame Kira. Il y a qui d'autre? Ah, bah, monsieur qui est à côté de vous, il est habillé comme de la même couleur que vous. Bonjour, enchanté. Oui. Monsieur Black, Tony Black. Tony Black, enchanté, monsieur Black. Vous êtes quoi déjà, vous? Je suis chasseur. Vous êtes un chasseur, d'accord, très bien. Oh, un chasseur. Ça doit être excitant, la chasse, non? Traquer une proie comme ça toute la journée, la pourchasser, pour enfin l'attraper et lui faire la peau, ça doit... Oh, quelle adrénaline! Ça m'exciterait de faire une partie de chasse, un de ces quatre. Faudrait que je trouve des aventuriers pour... Il y a une partie de chasse demain soir, la lune du corps, c'est demain, au Royaume du Nord. Oui, moi aussi, demain soir, j'ai une chasse organisée avec une personne qui, maintenant, pourrait être mon ami, je pense. Je verrai ça avec lui. Ah ouais. N'est-ce pas, shérif? Oui. Bien sûr, mon man. Et dites-moi, dans le Nord, il y a beaucoup d'animaux à chasser, parce que j'ai remarqué la dernière fois qu'il n'y avait pas grand-chose dans le Nord. Ils sont très nombreux. Faut savoir où aller chercher. Oui, c'est surtout qu'il faut savoir où aller les chercher. Ah bah c'est votre profession après, hein. Fois, hein. À part les fois qu'on retourne à ces quatre dans le Nord, hein, pour faire un peu de commerce. Mais la dernière fois que j'y suis allé, je me suis tellement fait mal. Oui, on devait y aller, toi, on n'a pas eu le temps. Vous serez les bienvenus au village de l'Arion. On n'a pas eu le temps d'y aller, on s'est fait... Oui, j'ai une possibilité d'avoir quelques chaises en plus, s'il vous plaît. Oui, bouge pas. Dans le Nord, c'est incroyable. En tant que sénateur, ils m'ont traité de fouilleux. Ils ont dit qu'on avait une police boulangère. Moi, je vous raconte pas. Oh mince. Incroyable, ils ont dit que chez nous c'était tous des paysans et que c'était dans le Nord c'était que les forts qui dirigeaient, tatati. Moi j'étais révolté. Je sais même pas comment les gens là-haut ils peuvent vivre. Ah les pauvres, j'en ai plein. On vit bien, hein, mon roi, on vit bien là-haut. Hein. Ah on vit bien, oui, effectivement. Ouais. Bonjour, roi, bonjour messire. Bonjour, enchanté. Enchanté. Je suis le docteur Chen. Docteur Chen. Tenez, monsieur le roi. Le docteur du sud, messire. Ah, okay. Un très bon docteur. D'ailleurs, docteur, donc je vous tiens. Oui, j'ai vu le vôtre la dernière fois que je suis venu. Oui. Moi, j'ai toujours mal au pied. Excusez-moi, je peux. Vous avez encore mal au pied. On va voir ça après, juste après. Hein. Je vais m'occuper de vous. Il faut venir me voir quand c'est ça aussi. Bon, dis donc, monsieur le roi, elle est jolie cette petite créature. On va aller. Enfin, une femme qui a du goût. La maison avant bah non, mais bah, c'est vrai. Ouais, elle a un petit escale. Oui, ça s'appelle Kiki. Ah bon? Kiki. C'est Kiki, c'est Kiki. Oh là, Kiki. Ah oui, ça dans le regard, ouais. Ouais, bien. Kiki, il aime bien les petites feuilles ou pas le Kiki? Je sais pas, j'ai jamais donné à manger. Tenez, mais il est mignon.
l'aime bien. Donnez-lui ça à manger, vont t'aider. On sait jamais. Ah, ça mange de baies, ça. Ah, d'accord. Ouais, ça mange de végétal. Ah, bah, elle a l'air de. On va donner plusieurs. Ouais, plein. Ah, bah, ouais. Lui donner d'un seul coup, il va peut-être. Dis donc, c'est grand comme créature. Donner, là. Et alors, du coup. Ah, il aime bien. Oh, ah bah. Faudra que vous fassiez une commande pour votre kiki, du coup, s'il aime bien. Bon, je vais réfléchir. Mais dites, pour les voyageurs là, si jamais vous voulez séjourner un petit peu dans le sud, à l'étage j'ai tout un tas de chambres, hein. Vous n'hésitez pas, hein. Oui, attendez. Ça en sera pour la prochaine fois. Eh ben oui, montez. Eh oui, tout est prévu, hein, tout est prévu. Eh ben oui, alors vous avez c'est une chambre standard. La chambre Hortensia, c'est... Oh là là, ah oui, c'est chouette. Ouais, il y a de quoi faire. Non mais monsieur, il faut que c'est cosy, mais bon, ça vaut pas le palais, mais ah bah oui, bah je suis d'accord avec vous, pour vous c'est sûr. Le palais, il est en miettes. Ah non, mais c'est pourquoi vous venez dans le sud, c'est une résidence secondaire. Bah oui, c'est une bonne idée, bah merci beaucoup. Et alors l'avancée du château, parce que moi j'ai appris ça, bah en me levant, ça avance bien. Parce que moi j'ai appris, c'est Guizy qui m'a appris justement que bah en fait il était démonté le château pour être reconstruit. Ah oui, quand je suis parti, il n'y avait plus rien. Ah, ça a dû vous faire un choc, alors. Ça m'a déprimé, je suis parti dans le sud. Ah bah, vous avez bien raison. Ah, d'ailleurs, vous me direz après ce que vous pensez. Que je pense de quoi? Ah oui, du sud. Et des sudistes. Guizy. Oh là là, le sens des affaires. Ah bah, Guizy, ouais, man, c'est moi seule source de revenus, man. Comment tu crois que je peux faire? Ouais, puis il va falloir payer le permis d'agriculteur. Hein. Bah ouais, ça c'est chaud, alors c'est pour ça, faut que je fasse des ventes et tout. Ouais. C'est bien, dépouiller le sud, c'est très bien ça. Ouais. Mais du coup, j'ai une petite question. Pourquoi tout à l'heure, il y a un grand monsieur avec une armure noire et or, celui qui nous a délivré nos visas. Pourquoi est-ce qu'il est venu vers vous, monsieur le roi, en vous disant, vous avez vu, on n'est pas des paysans ou je sais pas quoi? Bah vous avez vu, lui. Mais j'ai pas compris pourquoi il est venu vous dire ça. Non mais j'ai pas compris pourquoi il est venu vous dire ça. Il est venu dans le nord l'autre jour. Et il est venu avec sa mère. Oui. Sa mère c'est assis à côté du trône déjà. Ah. Ouais, hein, les manières, les paysans, tout ça, c'est compliqué. Et puis bon, il avait une dégaine de paysans. Alors pour gouverner un pays, un peu de prestance quand même. Ouais, je comprends. Oh, moi je cautionne pas, mais je les comprends pas ces sudis. Ah, et du coup vous leur avez dit que c'était des paysans? Juste deux secondes, hein. Excuse-moi, ah, bah, je oui. te coupe. Hein. Vas-y, Guizy. Mais est-ce que votre animal, hein, il est bien tranquille, là? Parce que s'il y a un Moby Dick, parce que j'ai entendu parler qu'il y avait 2-3 Moby Dick qui traînaient dans l'eau, quoi. S'il nous attaque, le truc, il va passer par dessus bord et il va l'attaquer, quoi. C'est un bon sens que je vous dis ça. Mais... Reste tranquille. Ah. Excusez-moi, un peu. Continue. Oh, t'inquiète pas, Guizy. Oh, J'ai peur. Oh, la vache, non, mais la chaleur du sud, ça me va pas. Oh, j'ai eu un... J'ai bien fait de prendre mes lunettes, moi. Ah bah, vous avez bien fait, parce que... Alors, puis la couronne, je pense que ça doit tenir, quand même, parce que, alors, moi, je vous dis, en plus, les dreadlocks et puis les cheveux noirs, comme ça, ça tape, on peut faire cuire un œuf, là. Oh, la vache. Oh, j'ai vu un... Ouh, non, c'est la chaleur. C'est vrai qu'il fait chaud, là-bas. Ça va, monsieur le roi? Attends, il marche. Ah, mais bon. Il mange de l'herbe? Ouais. Là, c'est ce que je vois, il est. Oh, vous savez, hein? C'est plus économique que la viande. Il a tout le temps faim. Fais gaffe, hein, restez groupé, hein. C'est pour son estomac, ça lui va mieux avec un peu d'herbe. Ah, des cailloux, de l'herbe. On va passer par là, c'est estomac. Moins dangereux, hein. D'accord, Guizy. Bon, bah, on se suit, on reste groupé au cas où. Allez. Bon, ça passe? Ah, bah, il mange de tout, effectivement. Ah, il mange de tout, je vous disais. Bon, vous faites de l'économie, c'est bien. Ah oui. Ah, il faut. On n'est pas si riche que ça dans le nord. Oui, ça va. Et c'était qui la dame qui avait dans le sud? C'est la sénatrice, la présidente. Oui, voilà. D'accord. La seule qui mérite à peu près de gérer ce royaume, pas comme paysan. Hein. Ah, vous l'aimez vraiment pas, dis donc, monsieur, hein. Ah, il m'a pas entendu arriver quand je suis arrivé dans l'auberge. Ah, bah oui, bah je sais, je vous ai vu. Oh là là, je me suis dit quand il va se retourner. Oh, il va avoir peur. Ah, c'était drôle. Fais voir. Oh, ça pousse parce que j'ai dû les récolter parce que je les ai changés de place. Oh, ça pue. Oh non. Ah, bah ça sent la merde. Donc là,
Là, ici, sur votre gauche, on a le cannabis qui est en train de pousser. Hein. C'est encore en germination. Là. Qu'est-ce que... Bonjour. Ouais, c'est le jardin, c'est la jardinière. La jardinière. Elle parle pas beaucoup. Ouais. Elle récolte toute seule les légumes, les fruits. Tout, eh bah dis donc, Gizzy, tu te fais plaisir à ce que je vois. Ouais, mais elle est pas bavarde. Hein. Ah. Et là, sur votre droite, du coup, vous avez le tabac. Donc, c'est les deux ingrédients principaux pour rouler mes bazars. Oh, c'est chouette. T'as bien fait. Tu l'as fait tout seul ou tu l'as fait avec ton pote? Oh, la beauté. Hein, j'ai tout fait tout seul. Mon pote, il dort tout le temps en ce moment, man. Bah, c'est ton pote qui dort, là. C'est lui. Voilà. Ouais, ouais, ça, c'est Jemal. Bah, il a un sommeil de plomb, hein. Vous pouvez le chatouiller derrière les narines. Tout, hein. Il s'endurera rien. Il te ressemble vachement, hein, sauf que vous avez pas la même couleur de peau. Ouais, c'est mon pote d'enfance, ouais, on a ensemble depuis longtemps. Donc là, j'ai pas mis encore en route, mais je fais de la bière aussi, parce c'est que le gardien, là, tu vois, la jardinière, elle boit que de la bière, quoi. Sinon, elle a pas de bière. Elle est pas contente. Elle ramasse pas les légumes, quoi. Ah, ouais, feignasse. En particulier. Hein. En plus, bah après, mais j'ai pas fini là-haut, on allait faire les chambres, tu vois. Hein. Voilà, donc ça sera soit ma chambre, oh, c'est là, donc. J'ai mal ou pareil, vice-versa, tu vois. C'est sympa voilà. Avec là. Oh, ouais. J'adore. Oh ça, moi, c'est la table en question, tu vois. Ouais, un petit jambon. Hein. Bon, il est mignon. Mais elle est restée là, elle reste tout le temps là. Elle, oh, elle dort aussi, bah dis donc, cette famille. Faut pas se fatiguer. Hein. Du coup, tu vois, là, je déverrouille la table, vas-y, Kiki, tu peux. Pardon, merde. Tu peux regarder dedans, tu vois, c'est dire goodbye, quoi, hello, tu vois, et tout. Quoi. Voilà. Oh, dis donc, merde, c'est chouette! Le polymère organique qui me reste. Oh, hein, c'est vraiment gentil, merci. Mais dis donc, mais c'est de la technologie ce truc là, hein? Ouais, c'est moderne. Oh, elle m'a dit au revoir! Alors, de la laine. Va vous falloir de la laine pour fabriquer les sofas et tout, mais ça j'en ai plein aussi, j'ai des moutons, ça demande. Et c'est montrer, beaucoup de laine. Welcome. Alors un sofa, c'est 25 de laine, un peu de polymère aussi, tu vois. D'accord. Ouais, c'est pareil, moi j'ai de la polymère organique. Ah t'as tout. Ouais. Mais ouais. Dis donc, attends, cet arbre là, c'est toi qui l'as laissé volontairement ici? Ouais. Et t'as construit tout autour. La maison tout autour. Oh là là. Plus t'as le respect de la nature. Bah bien sûr, man, t'es fou quoi. Ouais, ça c'est le cellier, hein. C'est là où je mets toutes les affaires quoi. Tu vois. Alors ça c'est une bonne idée. Voilà. Le cellier. Oh dis donc, t'as un vrai constructeur dans l'âme, toi. Ouais. Là, c'est là où je fais les gâteaux, tu vois, man. De toute façon, si tu t'es aménagé que depuis hier. Oh là là! Gizzy, ne me dis pas que tu en as un noir à cornes aux yeux bleus. Parce que je vais pas te mentir, c'est mon péché mignon, cela. Ah ouais, si, j'en ai deux même. Oh là 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 là, qu'ils sont mignons! Couissi. Ah ouais. J'ai galéré pour les avoir. Et puis je leur ai fait faire un bébé, donc ça doit être un bébé. Je sais pas lequel. Mais qu'est-ce qu'ils sont mignons! Je pourrais pas donner le nom. Parce que malheureusement, tu vois, je suis pas éleveur, hein, monsieur Leroy, du coup, je peux plus avoir d'animaux. Mais par contre, je voulais t'achèterai un bébé avec vous. Un jour. Je peux faire un élevage, mais juste de moutons, est-ce que ça me coûtera moins cher? Parce que le truc, c'est que je peux faire de la pitoche, quoi, vous voyez? La bonne viande de mouton, là, pour les éleveurs, il n'y a rien de mieux, quoi, vous voyez? Ah. C'est vrai que pour l'élevage, ça booste. Bah, arrangez-vous avec la police. Pour permettre de faire des bébés, arrangez-vous avec la police en vrai. Ça se trouve, ils recherchent tout ça. Oui. Oui, parce que vous pouvez appuyer aussi vers la police des fois. C'est pour ça. Bah ouais, vous pouvez dire ouais. C'est vrai que la police, quand ils vont vous voir arriver, ils vont pas chercher midi à 14h. Et du coup, mais non, mais comme ça, je peux vous fournir. Si vous me faites un truc genre gratuit, moi je vous fais la laine gratuit. Vous voyez? Et comme ça, on pourrait faire des sofas, des trucs comme ça, ça pourrait être cosy dans le château, maintenant. Puis surtout, je travaille tout seul, lui, il dort tout le temps, quoi, man. C'est vrai, dis donc. C'est vrai, ça. Écoute, t'as pas essayé de lui jeter un seau d'eau, parce que tu sais, des fois, ça marche, moi, ce que j'ai fait une fois. Non, j'ai tout essayé, hein, man. Je l'ai même foutu dans une île à ses pieds, elle lui a léché les pieds et tout, pour le chatouiller, ça a rien. T'as essayé de le mettre sous le fiomia? Sous le pose caca?
Non, pareil, ça marche pas. J'ai mis la tête dedans, tu vois. Toi, collé au trou du cul, quoi, tu vois. Non, ça marche pas non plus, quoi. Elle reste toujours endormie. Mais c'est parce qu'il la fume encore plus que moi, maintenant. Ah, voilà, il a de la fumée. J'en ai pété ma torche. C'est pour ça que je vous disais l'autre jour, c'est que lui, il est encore. Merde plus... Merde Elle a tenté quelque chose. Doucement, doucement. Là, je les entends s'affoler à côté. T'as eu de la chance, là. Par exemple, Henri, il a été pas là, et t'as marre, tranquillement. Excuse-moi, c'est j'ai eu un spasme. Ah, on peut faire attention, ça peut être fatal, un spasme. Ah, mais c'est ce que j'ai vu, là, la vache. Excuse-moi. Allez, venez, je l'ai plus, on va se mettre autour du feu en attendant que la nuit elle tombe. Allez où la lumière verte, allez là-bas. C'est pratique pour chez vous au moins, il y a un repère. T'as vu, il y a un point de repère. Ah bah ça. Et par la suite, on a quand même prévu de mettre des lumières autour, hein. Mais vu que là on reconstruit tout, c'est pour ça. Ouais. Bon, allez, tant que j'aille me coucher, parce que rien que de parler comme ça me fatigue beaucoup. Je comprends. Mais moi, c'est de. Ouais, je comprends, hein. C'est d'écouter. Ça m'apaise, mais ça m'apaise trop. C'est vrai, hein, tu vois. Oh, je te c'est jure. Bien, comme ça, faut pas, ça stresse. Ben, tu ah bah tu sais, maintenant je vais. Le... C'est une leçon de la vie maintenant, ça. Et voilà, et bah maintenant je le retiens. C'est une leçon de vie, ça. Ouais, si ton cœur il s'emballe, bah devine. Ouais, tu vas pas vivre très vieux, quoi. Tu vois. Ça, c'est une bonne leçon de vie.